Salut tout le monde, c'est PMR. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 31, je crois, de notre aventure sur The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Donc aujourd'hui, les amis, c'est parti. Dernier temple du jeu. C'est parti, on va voir. On va le commencer, c'est parti. Hein. On va commencer, on va aller jusqu'à l'objet du donjon, ça serait pas mal. Donc on va voir comment se passe ce temple. Temple de la forteresse de pierre. Un temple très atypique. Donc le temple de la forteresse de pierre. Et là, ça rigole plus. Hein. Non, ça c'est pas bon ça. Hop. Je vais te calmer direct. Oula. Attends, tu te calmes direct là. Alors déjà, comme petit ennemi insignifiant, on n'a qu'à dire. On peut voir qu'il y a des ennemis qu'on a vus dans différents temples. C'est normal. Alors, première chose, je crois qu'il y a un truc à faire. Ouais. Fallait le voir. Fallait le voir, mais en plus, c'est méga important. Puisque c'est tout simplement une fée à l'intérieur. Oui, je vous fais pas le suspense. Hein. Normal, il n'y a rien à faire comme suspense. C'est une fée à l'intérieur. Bref, voilà. Donc il y a une fée à l'intérieur. Donc c'est la première. Pareil, 15 fées. 15 fées à récup. Donc c'est parti. Hein. Hop, première salle. On va voir si on peut faire un truc. Armé de notre nouveau bouclier de du miroir. Alors ça, normalement, on peut le déloger. Mais si on n'a pas de rayon de lumière, ça va être difficile. Hein. Donc non, on est emmerdé. Donc du coup ici, on peut pas passer. Et là, on peut pas passer non plus. Et il y a des barrières. Donc il nous reste qu'un seul endroit. Hop, direct, calmé. Est-ce que c'est ici? Ah oui, c'est ici. Aïe, foiré. Hop, calmé. Hop, calmé. J'ai même pas envie d'attendre, donc hop, tu crèves. Alors. Vous voyez qu'il y a un gros interrupteur là, les amis. Il n'y a qu'un seul truc qui peut le faire, c'est le goron. Parce que le goron, c'est le plus lourd. Donc, vu que le goron est le plus lourd, il va falloir toujours jouer l'hymne du vide. Si on veut passer. Donc l'hymne du vide va être très important dans ce temple. Voilà, il va falloir activer tous ces interrupteurs. Donc le Zora, allez hop, c'est parti. Hop, impeccable. Par contre, je crois qu'il y en a un, c'est un peu particulier. Parce qu'au total, il y en a 4, les amis. Mais 4, techniquement, on peut le faire. Mais logiquement, non, vu que... Le Mojo, la statuette Mojo ne compte pas. Parce qu'elle sert à rien, la statuette Mojo, tout simplement. La statuette Mojo va nous servir à que dalle. Hop, et il explose, donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est là, il est ici. Ouais, du coup, le Zora, je l'ai mal placé. Là, vous voyez qu'il y a un beau coffre, là, un beau coffre orange et jaune. On l'aura un de ces quatre. Ouais, du coup, c'est là, quoi. Du coup, je me suis trompé. Par contre, est-ce que la statuette va être un problème ou pas? Ah, je l'ai passé carrément... soit il me l'a bougé, la statuette. Ou soit je l'ai placé carrément comme un trou de balle. Ce qui est possible. Ouais, du coup, ça me libère une place. Donc, bon, là, on va prendre Link. Hop. On va faire l'hymne du vide avec Link. Hop, je la fais vite cette hymne du vide. Mais en version GameCube ou N64, c'est carrément plus chaud parce que ce chant il faut le retenir. Un peu comme je vous ai fait avec Ocarina of Time. Hein, parce que c'est version 3S, c'est quand même largement plus confortable. Hein. Donc voilà, tous ces interrupteurs servent à ouvrir une seule et même porte. Cette porte en or. Quand même assez bien stylée, hein, cette porte. Ça,
C'est le moins qu'on puisse se dire. Ah, c'est pas vrai. Je suis allé trop tôt. Hop, tu te calmes direct. Calmez. C'est pas eux qui vont me faire chier. Hein. Donc on peut descendre là. Et là vous voyez qu'il faut une bombe. Alors une bombe. Une bombe pour le monsieur. Hop. Voilà. Bon bah, trop tard, je voulais le faire éclater plus vite, mais finalement c'est déjà assez vite. Donc on va descendre. Donc pourquoi alors avoir fait ce trou? C'est pour une seule et même pièce. C'est pour qu'il y ait de la lumière en fait, tout simplement. Hop, calmez. Ah ouais, on les calme. Hein. Parce que eux, c'est des vieux ennemis. On se protège. Alors maintenant il y a du feu. Donc d'abord, première chose. Voilà, on ferme son œil. Le gron il peut passer sans problème. Hop, calmez. Toi, c'est pareil, hop, calmez. Ah, comparé au Ocarina of Time, eux ils se font violer hein, dans cette forme Majora's Mask. Voilà, ils se font calmer. Hein. Et voilà. Donc du coup, il fallait tous les tuer pour avoir un coffre. On va voir ce coffre. Donc c'est un coffre banal, donc c'est une petite clé. Donc ça c'est cool. Une petite clé. Ah, en revanche, celui-là, il est intéressant. Ok, carte du donjon. Impeccable. De toute façon, il nous l'a fallait. Hein. La fameuse carte du donjon. Bon, du coup, vu que nous avons une clé. Donc ce donjon, je le connais, hein, comme ma poche aussi. Pareil que pour les trois autres, je le connais. Hein. C'est ça l'avantage d'avoir fait la version 3S et... il y a peu de temps. Donc je la connais quand même très bien, ce temple. Même si peut-être que je galérerai, je sais pas. On pourrait voir rien. Hein. Donc il faut descendre. Descendre pour de la flotte. Alors, comment ça se passe? C'est à l'envers. C'est à l'envers. Ça passe. Hop. Flacon, flèche, potion. Ah, un interrupteur. Ah oui, c'est vrai. Du coup, là, ça va être de l'adresse. Ça y est, je m'en rappelle. Du coup, là, ça va être de l'adresse parce qu'il va falloir gérer. Et je vous le dis, c'est pas évident. Raté. Ah, putain, dommage. Attends, j'ai peut-être une idée. Ah, sérieux. Ils vont toujours être casse-pieds, ces trucs-là. Ouais, ils passent. Donc, du coup, c'est pour avoir dans le but d'un coffre. Et je crois qu'il est primordial pour la suite. Parce que je crois que c'est une clé à l'intérieur. Ouais, c'était une clé. Donc ça tombe bien. Donc du coup on va aller là. Je pense que ça me paraît bien. Hop. Ah, il y a un truc avec un rayon laser là. Cet interrupteur peut rien y faire. Peut strictement rien y faire. Donc normalement il y a une porte avec une clé, logiquement. Ouais. C'est justement à quoi je m'attendais. Une porte avec une clé. Impeccable. Du coup ça je peux le faire. Impec. Vu qu'il y a un rayon de lumière là, on va pouvoir débloquer un accès. Donc je vous explique ce miroir. Regardez. On va le générer de la lumière. On va attendre. Pour qu'il projette à son tour de la lumière. Et que ça éblouit l'œil.
Voilà, ça, il y a une salle où ça va être un stratagème là-dessus. Donc, c'est assez chaud. Enfin, chaud. C'est pas assez dur. C'est pas la mort non plus, mais ça va quoi. C'est un peu de l'adresse. Ok, boussole. Ok, du coup, c'est pas mal. Oh ouais, là, je l'ai fait exprès. Hein. Vraiment, là, je l'ai fait carrément exprès. Ah, du coup, ça va un coffre. Un coffre que nous pouvons pas accéder pour l'instant. Donc, on va le laisser tranquille. On occupera plus tard. Bah du coup il n'y a plus rien à faire je crois. Ouais il n'y a plus rien à faire. Du coup on va pouvoir utiliser notre clé. C'est vrai que j'avais un peu galéré là dessus sur ce donjon parce que je savais pas où était la clé. En fait c'était tout con. Ah c'est tout bête hein. Faut pas se compliquer la vie si dans un Elda. Et justement c'est la salle que je vous parlais avec les miroirs. D'abord vous voyez ça. Alors Taïa pour nous donner des indications, mais je le sais ce qu'il faut faire. Donc faut être Goron, et bim, on l'a déjà vu dans le premier temple. Hop, ça jarte. Ah ouais, du coup, eux, c'est vrai, ils vont être casse-couilles. Eux, ils vont revenir sans cesse, donc ça risque d'être un problème. Oh là là. Ah ouais, eux, ils vont être vraiment casse-couilles, hein. On va attendre qu'ils arrivent. Ah, et ça, c'est vraiment de l'adresse, hein. Une des salles les plus chiantes. Parce qu'en fait, faut le refléter encore une fois sur un miroir. Voilà. Non. On attend qu'il s'enlève. Putain, j'en ai pris vraiment beaucoup de lumière. J'attendais vraiment beaucoup. Allez. Oh, ça me rassure. Oh, parce que là... C'est un peu chiant ça. Voilà, du coup ça ouvre une salle. Il va falloir faire pareil une nouvelle fois, mais cette fois en seulement deux fois. Donc ça va être largement mieux. Disons que le plus chiant est passé. Hein. Là, ça va déjà être plus simple. On va attendre. Ouais, navré si j'attends les amis, bon, faut le faire. Ah du coup, si, attends, je peux passer. Voilà, il passe. Yes. Impeccable, donc du coup... Ah ouais, par contre, toi tu vas me faire chier, non? Je me trompe. Ah, donc lui, c'est une bombe. Lui, c'est une bombe... Franchement, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, ça. Vraiment, ce truc... Moi, j'appelle ça un truc. Pour moi, ça ressemble à rien. Hop. Calmez. Vous pouvez rien contre moi, je suis invincible. Je me suis déjà fait trois temples. Quatrième va bien se passer. Ah, il y a un coffre. Il y a un coffre ici. Intéressant. Pourquoi il y a un coffre? Salut, toi, tu vas mourir. Ah, le bâtard. Toi, tu vas juste crever. Tout simplement. Étrange, il y a un coffre ici. Non, ça par contre c'est un peu étrange. Ah, ton coffre qui serait là.
C'est plutôt chelou là. Il me semble que oui, il y a un coffre qui apparaît. Mais sauf le problème, c'est que comment il apparaît? Question. Il doit avoir un interrupteur ou un truc. Ah, ça y est, ça me revient. Faut trouver qui est le bon. Hein. Ah. Oh, c'est le bon. Oh, bah, la chance. Ah, c'est vrai, le truc avec le soleil, j'avais oublié. J'avais oublié. Donc, en fait, le but, il y en avait deux mauvais et il y avait un seul de bon. Enfin, cinq mauvais et un seul de bon. Donc ça, ça, il fallait bien trouver qui était le bon. Ok, donc du coup, vous inquiétez pas, le masque Mojo sert toujours. Ce fameux masque, cette fameuse malédiction. Donc là, il faut le masque Mojo, hein, simple. J'ai pas besoin de commenter plus, là. Je sais pas quoi vous dire, là. Donc, observez. Oh putain! Oh, je suis beau! Ah, oh, je suis bon! Oh yeah! Je suis bon! Du coup, l'excité de faire ça était de zéro. Vraiment. Il y a un coffre. Ah oui, c'est vrai, c'est avec le Goron, il me semble. Ah ouais! Ah d'accord. Ok. Oh là. Ça c'est cool. Du coup là on est tranquille. Du coup ça s'est fait du premier coup. Donc ça c'est cool. Parce que ça peut être casse-couille hein, ce truc là ça peut être chiant. Si on n'a pas de chance. Mais là je pense que là je suis en période de skill là. Là, cet épisode-là, je pense que je suis un peu en skill. Et ben, c'est cool. Hein. Continuons, bref. Donc, on refait le même truc que je vous ai fait en Mojo. Cette fois, il faut le refaire. Hop. Allez, on poursuit. Ouais, il passe. J'ai l'impression que dans le dos, quand il va vers derrière, il va plus vite. J'ai l'impression. Il va beaucoup plus vite. Donc du coup, là, il y a une fée. Donc c'est ma quatrième. Et encore des coffres ici. Étonnant. Très étonnant. Pourquoi il y a encore des coffres ici, mes potes? Encore des coffres ici. Il y a encore un même de coffre. Donc je peux pas me le permettre. Hein. Je peux vraiment pas me le permettre. On sait jamais, imaginez, il y a une fée là, et ben je suis dans la merde. Tout simplement. Après je me dirais. Oh! Bah où j'ai raté une fée, bah c'était ce coffre là. Peut-être. Il me semble pas qu'il y ait une fée dans ce coffre, mais bon, on va voir. Vaut mieux s'en assurer. Alors ce coffre se trouve ici, les amis. J'ignorais qu'il y avait un coffre. Ouais, il est là. Oh, des rubis. Des petits rubis. Alors. Ah bah, il y avait une fée. Ah ouais. D'accord, il y avait une fée, donc j'aurais été bien bête. Oh, yes. Ça marche. Oula, là, là, je vais pas passer. Hein. Ah bah, si, je passe. Ah, quelle chance. Ça c'est cool. C'est cool, il faut avoir un peu de chance. Du coup là on va arriver au mini boss. Attendez, je vous le dis. Ah bah ouais. Ouais, c'est le mini boss. Déjà.
Déjà, oui, je le sais déjà, mais c'est le mini-boss, donc il est là, il nous attend. Alors, qui est-ce? Salut! Ah, par contre, lui, il est coriace. Taya, c'est le grand maître des garrots. Il est beaucoup plus puissant, évite ses coups, frappe quand il est découvert. Ok, donc, le chef des garrots. Ça va être intéressant. Ah, du coup, lui, il relâche pas ses épées, hein. Comme j'avais fait voir un garrot simple. Oh, putain, sérieux. Joli. Ah, enfoiré. Ah, tiens. Tiens, prends ça des flèches. Oh le bâtard, il m'a esquive. Merde, pourquoi je me fous en mon jeu dans un combat si intense? Aïe. Ah d'accord. Peut-être parce qu'il est mort, il est invisible. Tiens. Ah salaud. Ah ça marche pas ce coup là. Dommage, ça marche pas contre lui. C'est con. Parce que c'est un coup qui m'aurait été bien utile. Hein. Aïe. Putain. Coriace, toi. Tiens. Et voilà. Je crois que c'est lui, hein, le mini-boss, il me semble. La défaite a un goût amer pour celui qui se croyait invincible. Tu as été un adversaire malheureux. Je meurs par ta force. Je tire ma révérence en ouvrant mon cœur et mon esprit. Mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Si ton trait de lumière divine atteint l'emblème rouge qui brille à l'entrée du temple, l'ordre des choses sera bouleversé, la terre née dans le ciel trouvera son reflet dans la lune née dans la terre. Souviens-toi de ces mots. Je meurs sans laisser de traces. Car telle est la voix des garous. Ouais, c'est lui, mini-boss. C'est bien lui. Ok, bah du coup, objet du donjon les amis, hein. Ça aura pris 22 minutes, ah bah c'est impeccable. Et voici la flèche de lumière, elle enferme la puissance de la lumière sacrée qui éclaire votre chemin et repousse le mal. Du coup, il nous manque deux objets, hein, comme vous pouvez le voir, il manque deux objets, et du coup la flèche de lumière, la flèche de lumière. Il a dit quelque chose d'intéressant en plus. Au sujet. Ce qui va bouleverser les choses. C'est vrai en plus. Ça va vraiment bouleverser les choses. Je crois qu'il y a un coffre ici, il me semble. Ah, il m'énerve ce masque mojo à la con. Donc lui, c'est une bête qu'on a déjà vue. Mais cette fois, il a une protection au niveau du visage. Mais là, il n'y en a plus. Donc hop, au revoir. Tout simple. Il est revenu avec une protection, mais c'est ridicule, sa protection, c'est tout. Ah, il y a un coffre ici. Très intéressant, il y a un coffre. Donc ici, en fait, je vous le donne en 1000, c'est la salle du boss. Je vous le donne en 1000. C'est bien la salle du boss. Et bon, cette salle de boss, les amis, on peut pas encore y aller. Dans pas longtemps, les amis, mais on peut pas y aller. Donc là, ce que je vais faire, c'est parce qu'il me semble qu'il y a un coffre ici, hein. Un coffre activé ou un coffre. Ou un coffre tout court. Ou c'est peut-être pour plus tard. Non, parce que je vous le dis, les amis, ce dernier temple est juste horrible pour les... pour les fées. Ouais, bref, je pense que j'y arriverai pas. On va voir là, parce que là, il y a au moins deux coffres. Est-ce que je peux les récupérer ou pas? Salut, toi. Ok, alors lui, pour l'avoir, il me semble qu'il faut faire ses flèches de lumière dans son œil. À ce cyclope. Tiens, on va jouer sur ça.
Et voilà, il est mort. Et voilà. Il est mort. Alors pour ceux qui connaissent le jeu mais qui n'ont pas fait la version 3DS, non les amis, c'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est une fée. Parce que normalement contre lui, on était censé avoir un objet. Un objet très intéressant. Mais ce n'est pas ce que vous pensez les amis. L'objet très intéressant, on l'aura, mais plus tard. Ah merde, bon là ça c'est complètement con ce que j'ai fait. Je l'avoue. Ça c'est vraiment complètement con ce que j'ai fait. Hein. Hop, calmé. Hop, calmé. Et donc du coup nous revenons à mon port. Et donc du coup les amis, on va s'arrêter ici, hein. J'espère que ça aura plu ce 31e épisode de Zelda Majora's Mask 3D. Je sors du temple parce que on fera un truc au prochain épisode. Donc merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde, la prochaine fois on termine le temple. Allez bye tout le monde.